commence sur le chantier littoral du côté de la Possession. Le crépuscule vient de se coucher là-bas derrière les portiques du Port-Est. Le porte-container Balbine vient de quitter le Port-Est et se dirige vers Maurice ici. Allez, on va quitter l'endroit pour se diriger vers le Port-Est. Bye bye aux engins de chantier. Bye bye aux tétrapodes, aux grues. À tout quoi. Faut se casser, donc on se casse. On file. Bye bye chantier. Voilà, le Balbine s'éloigne vers Maurice et là il y a une petite barque de pêche. Nous on se dirige toujours vers les portiques du Port-Est. Là, je suis au-dessus de l'abri de pêche de la Possession et je regarde du côté des portiques et de la jetée du Port-Est. Voilà, l'abri de pêche est dans le noir. La cale de halage est par ici, mais on ne la voit pas trop. Allez, on continue notre chemin par ici, nous. Andiamo. Voilà l'extension nord du Port-Est. Ici les portiques du Port-Est. Pas très intéressant. Pas assez éclairé, on va les quitter. Direction par là. Me revoilà devant les portiques du Port-Est. Et il y a celui de droite qui manipule un conteneur, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, vu qu'il n'y a pas de bateau, mais... On va peut-être comprendre en regardant. On dirait que la grue veut descendre là. Elle récupère bien le conteneur à ses pieds, qu'elle va faire glisser de l'autre côté. Le conteneur coulisse et glisse dans les airs. De rien, au-dessus de la jetée sud qui s'éclaire vert là. Là, il est glissé, maintenant il va descendre loin.
Voilà, ça repart pour un tour et normalement un chariot cavalier devrait récupérer le conteneur pour le déposer sur une pile à livrer au camion. On change de boutique. On se rapproche des nouveaux portiques qui sont bien statiques. Il n'y a qu'un portique bien illuminé sur la droite, là, des nouveaux. Ils n'ont pas rangé le deuxième. Rapide vue générale. Et bientôt, on n'aura plus qu'une chose à se dire. On se voit bien à Thun. Sur la Moon. Bye bye.